J'appelle maintenant Tanguy Como, qui est le directeur de GFI. Normalement, il y a un jingle. Alors, ce jingle. Bonjour. Bon, merci Tanguy. Alors, on va appuyer sur le petit bouton. Tac. Voilà. Alors, Tanguy, tu es directeur général de GFI. Est-ce que, peut-être pas encore, hein, mais tu le seras bientôt. Pas tout à fait, mais je vais expliquer ça. Est-ce que tu peux me dire, alors l'innovation digitale pour GFI, c'est que vos clients, ils investissent dans quoi actuellement? C'est ça alors, la question. Quelle techno, d'abord, je vais corriger mon titre. Hein, donc moi, je suis Tanguy Como et je dirige l'agence digitale de GFI, Awakeit. Futur président. Effectivement, l'innovation digitale, c'est un sujet brûlant. Donc, on a encore eu la semaine passée la chance d'accompagner la délégation française à Dreamforce à San Francisco. Alors, quels sont les technos? Et justement, le thème majeur de cet événement, c'était la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire l'émergence de l'intelligence artificielle après la vapeur, l'électricité, l'informatique. Et donc, on voit aujourd'hui que, après 40 ans d'informatique où l'IT a été au service des processus métiers, depuis quelques années, et on le voit avec les innovations que vous avez sélectionnées là, les technologies viennent complètement disrupter les métiers, et donc l'ordre s'est inversé, avec des enjeux très forts autour du fait de délivrer pour nos clients, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est pour moi l'amélioration de l'expérience client, de délivrer à chaque point de contact une expérience engageante, apprenante, disruptifs souvent qui permettent d'assurer l'engagement. Alors GFI est une entreprise de technologie, c'est l'une des plus importantes en France et vous avez racheté Awakeit qui est une agence. Alors ça pose une question qui est que les agences et les intégrateurs et les conseils technologiques actuellement se marchent sur les pieds, qu'elles répondent aux mêmes appels d'offres et que les agences disent, moi j'ai racheté par exemple Sapient pour technologie, je suis une entreprise de technologie, et vous vous dites, moi je suis un intégrateur technologique et du conseil, mais j'ai racheté une agence, et il y a ce fameux article d'Accenture où Arthur Sadoun disait que ce qui lui faisait le plus peur, c'était Accenture, et que Accenture a cette croissance, et vous l'avez aussi. Ce qui est vrai pour Accenture est vrai pour GFI. Est-ce que tu penses qu'actuellement, les intégrateurs et les conseils en techno prennent le pas sur les agences? C'est une bonne question, parce que c'est sûrement pour cette raison que GFI a choisi de créer Awakeit, l'agence digitale. Parce qu'en effet, ces projets ils répondent à de grands défis. Donc d'abord, des défis métiers, puisqu'il va s'agir demain d'inventer les nouveaux business models, les nouveaux usages. Des défis technologiques, ça bouge très vite, donc il faut être capable très vite de tester, d'incuber via notre Fab Lab par exemple, et de déployer en agile ces nouvelles technos au sein des organisations, et des enjeux humains, des défis humains autour de la formation, de l'appropriation, de l'adoption. Et donc du coup, Awakeit, en quelques mots, notre objet c'est de délivrer le continuum de services autour de ces innovations, avec du conseil, du design thinking, de l'UX. Et là, il s'agit de préparer, organiser, cadrer ces grands projets, d'une part, définir les nouveaux usages et assurer l'adoption. C'est des centres spécialisés dans nos grands partenaires technologiques. On ne travaille pas seul, on s'appuie vraiment sur les grands leaders. Donc le CRM, Salesforce, Microsoft, les portails, Liferay, Drupal. Et je termine quand même Google aussi sur le collaboratif. Et enfin, une agence de communication, parce que... l'idée pour nous, c'est de pouvoir délivrer un territoire de communication, des contenus attractifs, d'exploiter les données et tout ça pour délivrer l'expérience la plus engageante auprès des clients. Alors, tu as été président du jury. Tout à fait. J'étais très fier d'ailleurs de mener ce travail. Je vais passer tout de suite au jury. Voilà le jury. On laisse les gens lire le nom. Ce qui est important, on les remercie. Je vais aller beaucoup. Très rapidement, mais je veux d'abord les remercier parce qu'il y a eu un travail de fond fait sur l'ensemble des innovations qu'on va vous présenter avec un jury d'exception, 15 personnes qui chacune opèrent au sein de leur organisation un vrai travail d'incubation et de rupture digitale. Et avec aussi un vrai défi. Les débats ont été animés puisque cette année, on a choisi à la fois d'étudier des projets chez des grands acteurs installés en transformation digitale, mais aussi d'étudier de nouveaux acteurs, des pure players qui viennent s'attaquer à des marchés très contraints ou réglementés. Donc, des débats très animés avec ce jury et très riches.
D'accord. Donc, voilà les 10 critères. Donc, alors, à la fin de la journée, on va vous remettre la brochure. Ce n'est pas une brochure, c'est une étude qui représente les cas. Et ça fait à peu près une cinquantaine de pages. Et voici les critères. Je propose qu'on passe... Alors, attends, oui. J'en dis juste un mot, Pierre, si tu m'autorises, mais j'allais vite. Donc, un vrai... Qui dit jury, dit méthode aussi, hein, une méthode objective pour comparer les 15 projets, avec à noter les deux premiers critères, l'innovation et le potentiel business. Ça a été en général notre grand sujet de discussion, mais aussi la capacité à mobiliser le critère 6, c'est-à-dire on a beaucoup apprécié finalement les innovations qui viennent un peu à contre-courant dans les organisations ou sur des marchés contraints. Oui. Alors on va voir les cas, on va aller très vite parce qu'il nous reste 13 minutes pour remettre les prix. AXA, donc avec Physis, c'est la blockchain qui vous rembourse. Vol retardé, c'est... Alors, on va parler de la blockchain à 17h. Est-ce qu'il y a une révolution blockchain ? Est-ce que la blockchain est le nouveau web, etc., etc. Et on a deux très grands spécialistes, et ça sera très intéressant. Ensuite, on a Cyrillus. Mon catalogue, rien que pour moi, le papier... Donc ça, c'est la révolution, c'est d'avoir un catalogue papier ? C'est un catalogue papier personnalisé. D'accord, un catalogue papier personnalisé. Voilà. D'accord, ben, c'est très intéressant, effectivement. Pay by phone, donc il va pas venir. Donc Arte, c'est assez traditionnel, non ? Non, Arte fait aussi sa rupture digitale avec des partis pris propres à Arte. Donc là aussi un dossier qui nous a beaucoup beaucoup passionné. Je vous invite à vous asseoir, n'hésitez pas, hein, soyez pas timide, parce qu'il va arriver des gens toute la journée. Il y a plein de places ici. Alors on continue. Canal vocal et chatbot, ça c'est pour 20 minutes. Alors, en quoi ce canal vocal et chatbot étaient originaux ? Ah bah parce que c'est vraiment l'utilisation de la voix avec on s'adresse aux populations à l'étranger, mais c'est vraiment un nouveau canal de diffusion pour 20 minutes. Donc là aussi une innovation et une rupture qui nous ont plu. Alors Bic, donc c'est l'abonnement rasoir. Voilà. Bon, toi comme moi, on voit bien que c'est un marché qui est un peu difficile en ce moment. C'est clair. Mais voilà, de nouveaux modèles là aussi pour l'affronter. C'est quoi Alan? L'assurance santé, d'accord. Voilà, oui, ça c'est l'acteur en rupture sur le marché des mutuelles. D'accord. Très forte réglementation, c'est les premiers à avoir obtenu l'agrément depuis des années, donc là aussi une très belle innovation. Franprix, enfin un distributeur, on parlera beaucoup de distribution aujourd'hui, on aura le drive to store. Voilà, donc là, vous l'avez peut-être tous vécu au quotidien, hein. On voit une transformation de fond. Alors c'est tout un ensemble de projets, mais qui viennent changer le positionnement de Franprix, qui devient un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu où on peut faire bien plus que juste passer à la caisse. Voilà, donc leur grand challenge, bien sûr, c'est le frais en une heure Amazon. Hein. Ensuite, Eurostar. Ça, c'est le chouchou de mes équipes de com, parce que tous, en traversant la Manche, bah, on a imaginé qu'on verrait les poissons. Bah, là, on peut le faire. La banque Carrefour. Voilà, entre le gigot et les éclairs au chocolat, vous pouvez glisser une carte bleue maintenant à la caisse directement chez Carrefour. PSA en mode digital. C'est la voiture de demain, la voiture communicante, la voiture autonome, interfacée en mode API. Donc là aussi, c'est tout un programme autour de la future voiture PSA. Alors n'hésitez pas à venir vous asseoir, hein, y a de la place, et au premier rang notamment. Ensuite, les furets. Qui sont très dynamiques. Hein. Très connus, mais avec là, ça y est, le pari est réussi, puisque après avoir été à une sorte de première étape du choix d'assureur, on est maintenant, ils sont devenus maintenant une vraie marketplace. Donc ils assurent une expérience client de bout en bout jusqu'à la souscription du contrat. Alors BNP Paribas Data Lake. Et là, BNP, alors oui, le libellé peut-être pas le bon, mais il y a énormément d'initiatives autour de l'intelligence artificielle, notamment pour faire du réglementaire, analyser des contrats, etc. Donc là aussi, tout un vivier d'innovation en cours chez BNP. Alors n'hésitez pas à venir vous asseoir. Voilà, il y a de la place un peu ici, là, j'en vois. Lidl, qui doit être le dernier. Et Lidl, bah oui, qui devient un acteur du voyage, un positionnement sur lequel on ne les attendait pas nécessairement, mais qui là aussi nous a surpris et voilà, qu'on a évalué parmi les autres. Boulanger. Et Boulanger, un lieu de vie, encore une fois, une transformation du digital, enfin voilà, tout un ensemble d'initiatives. Alors tout ça, tous les cas sont décrits dans le document qu'on vous remettra quand vous nous quitterez. Et maintenant, les trois lauréats, donc on va les appeler sur scène. Il y a Pay by Phone, c'est Philippe Lerouge. Ensuite, on a, voilà, ah ouais, bravo Philippe Lerouge. Alors ensuite, on a Cyrillus, c'est...
Ah non, c'est pas Cyrillus, c'est Carrefour. Non, Cyrillus, bien sûr, c'est pas Cyrillus. Pay by phone, Philippe Leroux, je viens de le dire, je le dis toujours deux fois, c'est obligatoire. Et AXA, c'est Grégoire de Montaigu, que j'ai eu au téléphone hier. Lord de Montaigu, vous portez un nom prestigieux, l'un des principaux pairs d'Angleterre. Vous êtes partie de la famille ? Famille est d'origine anglo-normande, donc nous allons parler des Montaigu dorénavant, c'est un piège. Je vais vous remettre le prix. Alors on remet les prix et alors on leur demande ce qu'ils ont fait. Alors Philippe Leroux, c'est très drôle. Non pas que Philippe soit drôle, mais on s'est connus il y a 17 ans, tu étais directeur digital, tu étais adhérent, tu étais directeur... Ça marche ? Oui, ça marche. Mais ça marche, oui, c'est pas bon. Pas si on souffle, oui. Hein, mais tu étais directeur digital de Sodexo. Et il y a eu l'effondrement de la bulle, et qu'on a tous vécu, qu'on a vécu ensemble, si j'ose dire. Et puis tu es parti, tu as créé des startups, et là, c'est Pay by Phone. Alors, quelle est l'originalité de Pay by Phone ? Oui, et puis surtout, quel bilan à date, quels principaux freins, parce qu'on imagine qu'il y en a eu, et puis quel premier succès ? Donc, tout d'abord, merci. Je tiens à remercier le jury et le BG. Donc, en effet, on s'est connus au début des années 2000 dans les réflexions sur le digital. Et à l'époque, l'idée, c'était de regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le mobile avant que le smartphone n'existe. Et j'ai travaillé sur les sujets du paiement par téléphone mobile. Et un des constats de l'époque, c'était pour changer les comportements de paiement et passer sur le mobile, il fallait développer des nouveaux usages. Et seul l'usage allait aider à changer les méthodes de paiement. Et dans le domaine du transport, on a l'habitude aujourd'hui de payer ses billets de train en ligne, ses billets d'avion, les voyages. N'hésitez pas à venir vous asseoir, hein. Je vois que vous... Le transport, les taxis, et un des parents pauvres dans les transports, c'est le stationnement. Aujourd'hui, on est encore à se déplacer pour aller mettre des pièces de monnaie dans un horodateur, dans une machine à sous. Ça relève un petit peu de l'âge de pierre comparé à tout ce qui se fait par ailleurs. Et donc l'idée de pouvoir payer à distance, c'était quelque chose qui pouvait développer le paiement du stationnement. Donc c'est ça la genèse du service. Donc les premiers freins au début, ça a été déjà d'avoir des villes qui voulaient accepter ce dispositif. Et convaincre les villes, bon, elles étaient intéressées, mais le smartphone était juste nouveau, puisqu'on a démarré en 2008 en France. Et il fallait convaincre les villes. Donc il y avait des villes, la première ville pionnière, ça a été Issy-les-Moulineaux, qui nous a suivis dès le départ. Mais les villes étaient intéressées, mais assez frileuses. Donc ça nous a mis une année pour avoir la deuxième ville, puis après la troisième ville, et ainsi de suite. Il y a aussi le côté réglementaire, il fallait convaincre la DGFiP, le ministère des Finances, pour changer les habitudes de paiement et accepter des moyens de paiement innovants pour créditer le trésor public, donc c'était assez compliqué, les autorités bancaires. Et puis donc on a vu un démarrage quand même assez long, assez pénible au début, qui s'est accéléré vers 2013 avec un certain nombre de villes, dont certaines grosses villes comme Le Havre ou Paris, qui a commencé à s'intéresser au sujet. Et puis l'accélération est intervenue à partir de 2014-2015, où véritablement les villes ont suivi le mouvement. Aujourd'hui, on équipe 150 villes en France. Pour vous donner un ordre de grandeur d'accélération, en 2015, on a mis 15 villes en place, une dizaine de villes. En 2016, on était à une vingtaine. Et cette année, on a 40 villes. Et donc, ça, c'est le principal, je dirais, critère, c'est d'avoir une couverture. Puis après, derrière, il y a l'usage. Les utilisateurs, au début, étaient très intéressés, mais ils souhaitaient une couverture. Et aujourd'hui, on a des villes qui, en Ile-de-France notamment, où vous avez plus de la moitié, 50% des gens qui payent leur stationnement par mobile. Et notamment à Paris, alors à Paris on est un peu en dessous, mais on a déjà un quart de la population parisienne qui utilise le service. Et on voit que les nouvelles villes qui sont mises en place, je pense par exemple à Versailles qui a démarré il y a deux mois, au bout de trois semaines, on avait déjà 15% de la population qui utilisait le service. Donc il y a véritablement un changement. Donc on a 1 million de personnes en France qui utilisent le service. Et on voit une accélération notoire. Mais le meilleur critère pour nous, c'est, bon, les chiffres peuvent parler, mais c'est surtout lorsqu'on a des retours d'utilisateurs qui nous disent que finalement on les aide à simplifier leur quotidien grâce au paiement du stationnement par mobile. Et du coup, quelles prochaines étapes alors, après ce déjà très grand succès ? Alors les prochaines étapes, déjà, c'est d'avoir une couverture vraiment nationale, pour qu'on est présent un peu partout, mais l'idée, c'est d'être vraiment partout, pour qu'on ait plus à se poser de questions lorsqu'on on veut payer son stationnement. On travaille aussi beaucoup avec les entreprises, qui sont très intéressées parce qu'on peut les aider, elles viennent nous voir, parce qu'elles veulent qu'on les aide à simplifier la gestion des notes de frais
pour les déplacements des collaborateurs. Donc du B2B bientôt. Beaucoup et de plus en plus. Et puis notre nouvel actionnaire, le groupe Volkswagen, nous aide aussi sur l'évolution, c'est-à-dire le véhicule connecté, d'intégrer Pay by Phone directement dans les véhicules pour l'aide au guidage, les véhicules électriques. En conclusion, je dirais que dans quelques années, il n'y aura probablement plus de rodateurs dans le paysage. Et comme on est à l'ère de la dématérialisation, ça serait bien de remplacer les rodateurs peut-être par des arbres. On vous le souhaite. Moi, je paye mon stationnement depuis récemment. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le témoignage de Philippe Lerouge, on s'est connu à une époque très dure, il faut le dire, hein, puisque c'est l'effondrement de la bulle. C'est une époque où tout le monde s'est fait virer, hein, tout simplement. Et où les startups sont mortes. Donc le BG a perdu 90% de ses adhérents. Hein, et François-Henri Pinault en est devenu président, il a sauvé la communauté, puisque les grands groupes, du coup, ont adhéré. Et ça prouve que le travail et la continuité paient. Parce que la vie, c'est des étapes avec des hauts et des bas, et que lorsqu'on croit et qu'on voit que les faits sont de notre côté petit à petit, un peu comme a fait Drahi avec son numéricable, et là, je parle de la période numéricable pour Drahi simplement, personne n'y croyait, il a continué, et puis un jour, boum, on redécouvre une personne qui arrive et qui a déjà, comme tu dis, X villes à installer, et je trouve que c'est une belle leçon, voilà, à titre personnel. Merci. Jean-François Levieux, peut-être ? Bravo. Alors, en plus court, parce qu'il reste 3 minutes. Alors, on peut l'applaudir, oui, parce que c'est une belle aventure humaine aussi. Donc, bravo Jean-François. De la même façon, est-ce que tu peux nous parler déjà des premiers résultats atteints, des freins, obstacles que vous avez rencontrés chez Cyrillus? Juste deux petits mots sur le projet. Donc Cyrillus, nous avons 40 ans cette année, donc c'est une belle récompense pour notre anniversaire. En fait, Cyrillus, depuis 40 ans, fait du multicanal, puisqu'à l'époque, on faisait du magasin et du catalogue. Ensuite, on a fait de la vente à distance. Et puis forcément, on a mouvé vers le e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce représente 35% de notre activité, donc c'est un poids qui est très important. Et en fait, on a toujours eu une stratégie qui a été de dire, finalement, essayons de nous rapprocher de nos clients, des parcours clients, en leur proposant une offre qui soit toujours de plus en plus ciblée, de plus en plus personnalisée. Donc on a commencé, on a fait beaucoup de choses sur le digital, sur le site, sur les emails, sur de la bannière. Et un jour, on s'est dit, et finalement, qu'en advient-il du catalogue? Et puis on a bossé avec deux startups, on a bossé avec NewKick, qui a l'habitude de faire un outil de recommandation sur Internet pour des sites marchands. Et on a bossé avec Naos, qui est une société de publishing et un spécialiste de l'impression. Et puis on s'est dit ensemble, et si on utilisait tout ce qu'on connaît au niveau du digital pour personnaliser un envoi print, qui finalement, ce qui nous permettait de digitaliser un média qu'on utilise depuis 40 ans. Et on vous a dit, allons-y tout de suite, non? Et on est parti sur cette idée un peu dingue, puisque forcément, ça incarne l'impression numérique, etc. Et on a abouti sur un envoi de 80 000 catalogues full personnalisés. Donc, c'est-à-dire 80 000 clients ont reçu un document différent en fonction de ce qu'ils achetaient et dans les magasins et sur le site, en fonction de leur navigation et en fonction d'autres data dont on disposait dans nos bases de données. Donc c'était 80 000. On a mesuré, on a eu un incrément de chiffre d'affaires. Donc et on a fait tout ça en à peu près 3 mois. Donc ça a été assez rapide et efficace. Alors, what's next? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On est toujours dans cette logique d'offrir à nos clientes ce qui leur va bien, de coller vraiment à leur activité avec Cyrillus, qu'elle soit online ou offline. Et on va poursuivre dans cette veine de la personnalisation pour les saisons à venir. Et bravo, félicitations pour ce beau succès. Donc, on a 1 minute. Alors, Grégoire, en synthèse, est-ce que tu peux nous parler des premiers résultats? Merci beaucoup pour l'équipe, ça veut dire vraiment un paquet de trucs pour nous. Fizy, en fait, c'est assez simple, ça part du client. Et on s'était dit, utilisons une techno, la blockchain, pour l'émission de police et proposer en fait un produit de retard d'avion sans exception. Donc, 2h01, vous atterrissez en retard, on vous rembourse automatiquement et vous êtes notifié par SMS. Donc, on se dit qu'il y a un futur là-dedans. Pour l'instant, c'est un modèle B2C très discret, un MVP technique. Le vrai What's Next, c'est le B2B2C. Donc là, on parle à l'intégralité de l'industrie du tourisme, mais c'est une partie immergée de l'iceberg, puisque là, on parle d'assurance paramétrique. Donc on est sur des événements, ça peut être du retard de livraison, ça peut être retard de... Donc plein de potentiel à venir. Et aujourd'hui, très concrètement, à Roissy, si on part aux États-Unis, donc c'est Roissy, on peut souscrire. Roissy et 6 aéroports des États-Unis. Mais l'idée, c'est d'avoir une couverture géographique mondiale assez vite et de servir nos partenaires chinois.
Et quel défi, contrainte pour lancer ce produit au sein d'AXA, parce qu'on a beaucoup apprécié ce produit quasi start-up dans une maison installée comme AXA. Start-up, c'est un start-up que le nom. On a énormément de respect pour, par exemple, des acteurs comme Alan qui ont été cités. Ils vont beaucoup plus vite que nous. Donc il y a un enjeu de vitesse et puis il y a un enjeu d'impact. Dans une boîte de 100 milliards, quel est le seuil d'innovation à partir duquel on peut continuer ? Eh bien, bravo. Eh bien, merci à tous les quatre. Merci Tanguy.